Leda est une jeune femme de 17 ans, qui a toujours vécu dans son petit village italien, le genre de village où tous les secrets sont connus de tous. C'est en février 1913 qu'elle décide de le quitter pour partir en Argentine, rejoindre son cousin qu'elle a fraîchement épousé, en espérant mener une meilleure vie là-bas. Sauf que lorsqu'elle pose ses bagages à Buenos Aires, elle découvre que son mari est décédé. S'offre à elle alors un choix crucial. Va-t-elle retourner dans son village italien où il y a de très mauvais souvenirs qui hantent encore son esprit? Ou va-t-elle décider de mener une autre vie à Buenos Aires, dans un pays qu'elle ne connaît pas et dont elle ne connaît même pas la langue? C'est le genre de livre que je n'arrive absolument pas à vous décrire et à poser des mots sincères sur ce que je pense, tellement il m'a touchée et tellement j'ai été absorbée par la chaleur du tango, par la chaleur de ce pays, la chaleur des êtres humains ou la froideur des êtres humains. Il y a énormément d'émotions, énormément de tourbillons qui m'ont secouée pendant ma lecture. J'ai adoré cette lecture et je vous la recommande vraiment, vraiment.